Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre composante d'expression orale et dans notre première étape, on va faire l'observation et la découverte. Prenez s'il vous plaît la page 106, 106 et observez bien cette image, d'accord? Puisque je vais vous poser des questions. Vous avez une petite minute. Alors, bien les enfants, dites-moi les grands, où se déroule la scène ou bien où se passe cette histoire? Alors, les enfants, si vous l'avez bien remarqué, cette histoire se passe dans la rue d'une grande ville, puisqu'on voit les enfants des immeubles, de grands immeubles, comme vous voyez sur l'image. On voit aussi la vitrine d'un grand magasin. On voit une grande rue. On voit aussi des voitures partout. On voit des pigeons. On voit aussi des gens, comme vous le voyez ici. On voit sur l'image Hugo et Lily. Et bien voilà les enfants. Dites-moi les grands. Comment sont habillés Lily et Hugo? Observez bien l'image et dites-moi comment sont-ils habillés? Alors, si vous l'avez bien remarqué, tous les deux portent une casquette, un pantalon, un blouson et puis un sac à dos. N'est-ce pas? Très bien, les grands. Alors, dites-moi les enfants, que tient Lily dans ses mains? Et la même chose pour Hugo, que tient-il dans ses mains? Alors, Lily, les enfants, tient un appareil photo et Hugo tient une carte dans ses mains. Voilà les enfants. Alors, à votre avis, connaissent-ils cette ville, Hugo et Lily? Est-ce qu'ils connaissent cette ville? Alors, d'après le regard de ces deux petits enfants, on peut bien dire qu'ils sont perdus et qu'ils sont des visiteurs ou bien des touristes. Alors, trouvez-moi les enfants Talki maintenant. Trouvez-le. Observez bien l'image et trouvez-moi Talki et dites-moi que fait-il? Alors, on voit bien Talki plutôt qui a grimpé le long d'une façade et qui salue les gens à leur fenêtre. Alors, Talki fait toujours les bêtises comme vous le savez. Alors, bien. Maintenant, prenez s'il vous plaît la page 108, 108. Très bien, les grands. On va essayer de décrire cette image. Alors, les enfants, observez bien l'image et dites-moi que visitent Lily, Hugo et Taki. Alors, que visitent-ils maintenant? Ou bien, où sont-ils maintenant? Alors, ils sont dans un endroit où il y a une statue. Voilà les enfants, ils sont dans un endroit où il y a une statue. Alors, est-ce que vous pouvez bien voir un fleuve? Voilà, vous l'avez bien vu? Très bien. Alors, dites-moi les enfants, est-ce que vous pouvez me décrire cette statue? Comment est la statue? Alors, la statue est sous forme d'une femme qui met une couronne sur la tête. Voilà les enfants, qui lève une torche. Et qui prend ou bien qui tient un livre dans la main. Voilà les enfants. Alors maintenant, dites-moi où est Taoki? Trouvez-moi Taoki. Alors, vous l'avez bien vu. Alors, Taoki, il est, très bien, il est assis sur un banc. Voilà les enfants. Comment est-il habillé? Regardez bien Taoki et dites-moi comment est-il habillé? Alors, Taoki est habillé comme la statue. C'est rigolo. Alors, Taoki est habillé comme la statue. Que fait Lily et que fait Hugo, les enfants? Alors, Lily, si vous l'avez bien remarqué, elle prend en photo Taoki et Hugo rit en le regardant. Voilà, les enfants. Alors, dites-moi maintenant, que font les autres gens? Alors, est-ce que vous voyez un peintre ou bien un homme qui peint la statue? Voilà, il y a des gens qui le regardent. Voilà. Est-ce que vous voyez aussi un monsieur qui tient un journal, bon, qui le lit, et une femme juste à côté qui tient, bien qu'il a du pain à la main. Voilà les enfants. Très bien. Alors, maintenant, s'il vous plaît,
tournez la feuille, ou plutôt prenez la page 112, 1, 1, 2. Voilà cette page. On va faire l'observation de l'image. Alors, les enfants, dites-moi les grands, où se déroule la scène cette fois-ci? Alors, comme vous l'avez bien remarqué, la scène se déroule au désert. D'accord? Il en est au désert. Alors, qui voit-on? Qui voyez-vous? Que voyez-vous? Alors, on voit Hugo, on voit Lily à côté d'un cow-boy, on voit Taoki aussi, on voit deux chevaux, on voit un oiseau, on voit un lapin, on voit aussi un cactus et des collines de sable. Voilà les enfants. Alors, dites-moi que font Hugo et Taoki? Que font ces deux petits enfants? Alors, Hugo arrose le cheval et Taoki le brosse. Hugo arrose le cheval et Taoki le brosse. Et maintenant, les enfants, dites-moi que fait Lily. Lily regarde ce que lui montre le cow-boy, tout simplement. Et bon, voilà les enfants.